Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite du refus de croire d'une partie d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Me voici, humilié, meurtri. Que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas des amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Jésus indique l'attitude de désintéressement qui doit caractériser l'hospitalité. Il s'agit de choisir la gratuité au lieu du calcul opportuniste qui cherche à obtenir une récompense, qui cherche l'intérêt et qui cherche à s'enrichir davantage. En effet, les pauvres, les simples, ceux qui ne comptent pas, ne pourront jamais rendre une invitation à manger. Ainsi, Jésus montre sa préférence pour les pauvres et les exclus qui sont les privilégiés du royaume de Dieu, et lance le message fondamental de l'Évangile qui est de servir son prochain par amour pour Dieu. Aujourd'hui, Jésus se fait la voix de celui qui n'a pas de voix et adresse à chacun de nous un appel implorant à ouvrir notre cœur et à faire nôtres les souffrances et les angoisses des pauvres, de ceux qui ont faim, des exclus, des réfugiés, des vaincus par la vie, de ceux qui sont écartés par la société et par les abus les plus forts. Et ces personnes rejetées représentent en réalité la très grande majorité de la population. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne recherche pas
suis comme un enfant que l'on prend par la main. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que j'ai choisi de t'aimer et ma vie t'appartient. Tu traces un chemin neuf qui s'ouvre à chaque pas. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Comment jour après jour garde pur son chemin, ta parole est pour moi comme un pain pour la route. See you.